disons son thème pas mon des bisous à tous ceux qui m'envient. C'est moi côté passager, avec Tony je fais le tour de la ville. Toi et moi on se connaît pas, range tes propos car ton avis. Loin d'être un bandit, j'avance, t'inquiète, je m'en passe sur ma vie. Y'a trop de faux pas car je suis seul à m'inquiéter. Tu crois que j'investis le bénéfice t'inquiète. Lève le compétent et dans ma batch. Je suis trop bourré de la fête, je pourrais pas dire ce qui s'est passé. Ouais, mais là en fait j'ai encore fait une bêtise, mais je vais attendre que tu coupes ton stream parce que sinon tu vas être énervé en fait. Vas-y, raconte. Oh, non, je te jure, je peux pas te raconter. En fait, t'as niqué ma voiture. Le vase, il est tombé sur ma voiture. Thomas, frère. Voilà, frère. Voilà, je sais pas. Oh la dé. Le. Il va me attends, quoi la... Le vase, il est tombé dans la voiture, frère. En fait, t'as vu, genre, il y avait ma fenêtre. Et le vase, il tenait le truc. Waouh. Mais c'est le vase, il tenait le truc. Et quand j'ai poussé ma fenêtre, en fait, quand j'ai poussé. Si t'entends les escaliers, prends pas la porte. Tu sautes par la fenêtre direct, frère. Attends, mais je t'explique. Attends, je t'explique, frère. En fait, j'ai poussé ma fenêtre et inconsciemment, je savais pas qu'il y avait encore le vase. Et quand j'ai poussé la fenêtre. Ah, tu vas pas aller à Bordeaux, tu vas retourner à Nancy parce que t'as niqué la bagnole à Thomas. Ah, d'accord, c'est ça que tu voulais. Il va me niquer, frère. En fait, je voulais vraiment attendre la fin de son stream, mais je pensais qu'il allait vraiment. Sur le Coran. Voilà, que c'est pas une vanne. T'as vu mon. Il y a la vitre, je sais pas comment ça s'appelle là, le capot. Tu vois le capot ou pas? Ouais, le capot. Voilà qu'il a enfoncé, sur le Coran il a enfoncé. Oh non, c'est chiant en plus ça. Parce que tu peux pas le désenfoncer toi-même, sinon ça refait un renfoncement qui est chiant, qui est moche. Ah ça pique. Ah ça pique. Arrête, c'est pas fait exprès. Wow, il doit lui mettre profond. Mais comment ça coûte? Arrête, frère. Aïe. Ouais, arrête pour eux, monsieur. T'es pas le coup. Non, mais quoi, je suis la magie qui est avec, mec. Je vais me faire ça, mais je vais faire ça. Aïe. Arrête. Aïe. Tu vois. Alors, non, je vais te faire un film. Aïe. Je vais te faire un film de cul, ça. Aïe. Non, ça, il lui a niqué sa bagnole. Non, ça, hors blague, c'est un truc de baiser quand même. Genre, imaginez, vous faites ça à votre daron, il vous fait quoi? Il vous nique vos morts. Imaginez comment. Hé, Thomas, là, je crois qu'il rigole un peu. Mais ça, au fond de lui, qu'est-ce qu'il doit avoir la boule au ventre? En fait, c'est ça le problème de Bichou. Vous voyez, quand je vous dis Bichou, il a un problème. C'est exactement ça que je veux parler, les gars. C'est exactement ça. Va voir ma story Insta. Mais gros, j'ai pas fait exprès, frère. C'est pas une question que j'ai fait exprès de faire la connerie, c'est que j'ai vraiment pas fait exprès. Oh, oh yo yo. T'as vu ou pas? Oh yo yo. Ah ouais. La petite bosse qui fait bien chier, qui est moche en plus, bien devant. Non mais ça, j'ai vraiment pas fait exprès, frère, c'est pas en mode j'ai vraiment fait mon coup, j'ai vraiment pas fait exprès de faire tomber. Tu sais qu'en plus ça a l'air vraiment d'être un petit truc de merde. Oui, qui va être trop chiant à enlever. Ouais, ça va être chiant en fait, à te faire enlever. Faut aller voir un carrossier, Thomas. Tu sais ce qui m'énerve? C'est qu'il a fait tomber le vase avant que je lance mon live, tu vois. Bien avant. Et en gros, il était là, il a continué à parler avec moi, il a continué à rigoler avec moi et tout. Et il a attendu le dernier moment. Attends, mais tu l'as fait tomber quand, Bichou, le vase? En gros, regarde, il a lancé son. Non, dis-le quand. Il y a 10 minutes, même pas. Ok, voilà, tout simplement. Et frère, en gros, il a lancé son live et je me suis dit, soit je lui dis maintenant, mais. Mais c'est pas vrai, c'est pas il y a 10 minutes, ça fait 20 minutes que j'ai lancé mon live, gros chien. Mais gros, bah t'as lancé ton live plus pas à ce moment-là, frère. Je suis descendu, tu m'as dit pourquoi tu cours, je t'ai dit il y a un vase qui est tombé. Au début, j'ai regardé ton pare-brise, je me suis dit si j'ai niqué le pare-brise, je suis mort. J'ai pas vu. Mais comment j'ai pas pensé à ma voiture qui est juste en ta fenêtre? En plus, il m'a dit, il y a le vase qui est tombé. Moi, j'ai dit, oh putain. Et je me suis pas dit, mais il y a ma voiture qui est rentrée. Oh putain, c'est chiant. Mais là, je t'ai pas dit, ah ouais, il y a ma Gova, imagine dans le parc. Je t'ai dit, putain, frère, non, mais c'est terrible. Il m'a niqué ma voiture. Ça, pour relativiser, ça aurait pu être pire, gros, ça aurait pu être le pare-brise. Donc en fait, il va pas aller à Bordeaux, il m'a dit, il va finalement retourner à Nancy. Mais, non, comment, ça, vraiment... mais pourquoi il y a un vase de... Mais attends, mais ta fenêtre elle s'ouvre vers l'intérieur, comment c'est possible que t'aies fait tomber un vase? Mais j'arrive pas à comprendre, frère. Mais cousin, sa fenêtre elle s'ouvre comme ça et la rue elle est de ce côté là, comment il a pu ouvrir la fenêtre et faire tomber le vase de l'autre côté, sérieux? Parce que en gros je t'explique, vu que moi j'ai un placard qui bloque ma fenêtre, je peux pas l'ouvrir directement ma fenêtre. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis un vase pour bloquer et pour aérer ma chambre, comme ça bah j'ai l'air qui passe et que la fenêtre elle se referme pas. Et quand
quand j'ai mis le vase, ben, ça faisait une heure que ma chambre elle était aérée. Quand j'ai refermé la fenêtre, j'ai oublié qu'il y avait un vase. Après, ça va, il n'y a pas eu de mort au moins. Pour l'instant. Ça aurait pu être le voisin en dessous. Attends, le problème c'est que là en fait depuis 10 minutes je suis comme un con en train de chercher mes lunettes parce que je sais pas où elles sont tombées. Bah en fait le problème c'est qu'il a pas dit directement. Là il a mis longtemps. Oui mais parce qu'en fait je pensais que si je le disais avant qu'il lance son live, il allait pas faire de live et vu qu'il allait pas faire de live, et ben il allait être énervé et du coup bah... Mais t'es un bâtard, déjà tu lui niques l'envie de live et en plus de ça, il aurait eu le seum pour sa bagnole, t'es un baiser toi. Ouais trop pas, franchement je serais passionné de voir le film. Hein. Tu vas te faire bouffer toi. Vas-y, non, attaque. J'aime bien. Non, attaque pas. Ah là, ça c'est mon chat ça. Ça c'est Jackie ça. Attends, viens. Attends, je te gratte le dos. Je te gratte le haut des fesses là. Là, tac tac. Ah, t'aimes bien ça. Ah, tu lèves le popotin quand je te gratte derrière. Ah. Tu kiffes. Tu kiffes. Vas-y, ronron. Eh ben, même moi, je n'arrive pas à les faire, c'est fait. C'est parce que il faut leur gratter juste au-dessus des fesses, là. Bagara. Refais-moi une démonstration. Là, ici, t'as vu, là, au-dessus des fesses, tu grattes comme ça. Là. Allez, le patron, il a besoin de bagarre, là. On verra ça après. Là, ça, c'est ma bagarre, ça. Ça, c'est ma bagarre, ça. Du quel Je kiffe bien. J'étais vraiment tout petit, je devais avoir 4-5 ans. J'ai volé le paquet de chewing-gum, je l'ai montré à mon frère. Et mon frère, il a pouca avec mes parents. Mon frère il a poucave à mes parents. Genre je lui montre le paquet de chewing-gum, je fais comme ça. Genre j'étais trop content, tu vois. Et mon frère il me regarde, il fait papa, maman. Et là je me suis dit Quoi t'es ça. Et mes parents ils m'ont ramené là-bas. On est allé voir le vigile du magasin. J'ai dû m'excuser. Et ils m'ont fait des discours comme quoi voler n'est pas bon, tu vois. Elle a déjà volé de l'alcool, y compris dans un bar. Bah oui. Je trouve comment. Très élégant. Attends. Merci. Juste en dessous, j'ai sur le comme tu peux voir. Si tu es Miss Tommy et Filger, il y a encore l'étiquette, mais c'est parce que je vais le rendre juste après le stream. Ah, d'accord. Tu fais quoi dans la vie, Chara? Je suis infirmière et toi? Moi, je suis québécois dans la vie, comme tu peux le voir juste derrière. Et en plus d'être québécois, je suis un petit sucre. En parlant de petit sucre, je vais m'enfiler une douceur. Bon, tu veux savoir quoi sur moi? Bah tout. Oh putain. Tout d'abord, je m'appelle Elias. Je vais avoir 20 ans. Enchanté. Dans la vie, je suis barman. Mais je suis parti faire des études au Québec, comme tu peux le voir juste derrière. T'es au Québec en ce moment? Au Québec, c'est quoi, qui se fout? Aujourd'hui, j'ai... Ah. Pourquoi elle a explosé sur moi? J'ai pas compris. Ceux qui m'envient, c'est moi côté passager. Avec Tony, je fais le tour de la ville. Toi et moi, on se connaît pas, range tes propos, car ton avis. Loin d'être un bandit, j'avance, attaquer, je m'en passe sur ma vie. Y'a trop de faux pas car je suis seul à m'inquiéter. Ah ouais. Je suis pas ton, j'investis le bénéfice, t'inquiète. Ah ouais. Lève le compétent, il